Bonjour à tous. Cette semaine, pour la première fois, un média a décidé de s'en prendre à Yann Barthès et à Quotidien. Vous savez, la tyrannie des bien-pensants de Yann Barthès et de sa horde de petits bien-pensants qui viennent vous expliquer ce que vous avez le droit de dire, ce que vous n'avez pas le droit de dire, ce que vous n'avez pas le droit de penser, et bien figurez-vous que ça leur a pas du tout plu. Ils ont pu le lire un peu en avance et ils ont décidé de lancer une immense opération de sabotage numérique de notre travail juste pour essayer de ne pas répondre aux questions qu'on pose et qui sont très nombreuses dans ce dossier qui est inattaquable. Factuellement, on démontre toutes leurs erreurs, tous leurs mensonges, toutes leurs manipulations et au lieu de répondre sur le fond et de peut-être même nous inviter dans leur émission pour qu'on ait un débat honnête sur cette question, ils ont décidé de publier gratuitement sur les réseaux sociaux notre travail en intégralité. C'est évidemment parfaitement illégal, parfaitement scandaleux aussi, ils n'ont pas le courage d'assumer une contradiction. Alors maintenant, on va vous demander de nous aider, soutenez-nous et faites savoir ce scandale parce qu'on ne peut pas tolérer dans un pays comme la France qu'aujourd'hui quelqu'un se sente au-dessus des lois et puisse ne pas tolérer la contradiction à ce point.